Salut, on est Revase Visions, on est de Morlaix. Et on fait du rock alternatif. Alors donc, nous avec Tom et Harry, on se connaît depuis pas mal de temps maintenant, puisqu'on a 3 ans à peu près. On était à la maternelle ensemble et on a toujours été potes en fait. On a toujours fait tout ensemble. Et on a décidé, il y a 9 ans de ça, autour de nos 13-14 ans, de commencer le groupe. C'est vrai qu'on avait 13 ans à l'époque, et ensuite mon beau-frère m'a offert une guitare électrique. Et puis on a eu l'idée de commencer un groupe. Antoine a demandé une basse pour Noël, et Camille a eu sa batterie, et c'est parti de là, quoi. Je suis né en Angleterre, et je suis venu en France à l'âge de 12 ans. Ma première semaine, j'ai rencontré Tom et Harry, et peu après, ils m'ont demandé de rejoindre le groupe, quoi. Du coup, on fait de l'alternative rock, mais on a tous un peu des styles différents, un peu, enfin, on écoute des styles différents. Moi, pour ma part, j'écoute Amy Winehouse. Du soul, du Van Morrison et la musique de mes parents et ce qu'ils écoutaient. Enfin, c'est toujours en moi, enfin, j'écoute toujours ça, quoi. Moi, par exemple, mon influence se tourne plus autour de groupes comme Jamiroquai ou de musique assez funk, surtout qui l'influence à la basse, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est assez varié. En ce moment, c'est pas mal de funk. Du soul aussi, j'écoute pas mal de Nile Rodgers. Disco aussi surtout, ouais, disco, ouais, c'est... Disco. C'est vraiment les riffs à la guitare que j'aime bien. L'expérience scénique, elle a commencé dans le coin, on a fait des petits concerts, des petits bars, des petits tremplins, jusqu'au jour où on nous a proposé d'aller en Angleterre faire une petite tournée vite fait pendant 2 semaines. C'était assez funky parce qu'on nous proposait comme ça tous les soirs, on arrivait et on nous disait qu'on avait un concert comme ça dans le tas et on y allait, on faisait des petits shows et c'était assez sympa dans des petits clubs et des petits festivals, quoi. Alors donc voilà, bah nous en tout cas on était vraiment très heureux d'apprendre qu'on avait été sélectionné pour participer à la finale du tremplin Label Mosaïque le 15 mai prochain. Parce que c'est vraiment, ça va être pour nous, c'est vraiment une très grosse opportunité de pouvoir jouer à l'étage devant plus de 900 personnes. Ça permettra tout d'abord de nous donner plus de visibilité pour le groupe, puis de rencontrer tous les gens, ne serait-ce que les autres groupes avec qui on va jouer. Et ça c'est une très grosse expérience pour nous. Donc rendez-vous le 15 mai, on a rien à perdre, on a tout à donner et ça va être une putain de soirée. Ouais.